tu la sens. Tu la sens la frénésie derrière. Hein. La densité de l'action sur l'écran, c'est incroyable. Je peux pas tout décrire tellement c'est rempli. Bienvenue à toi, c'est 19h, nouveau stream de The Big Game Asky. Et on retourne pour étoffer nos archives des shmups. Et on va explorer aujourd'hui un titre qui nous rappelle à quel point, dans le shmup, c'est super important de choisir la bonne classe. Oui, la bonne classe de vaisseau. Et aujourd'hui, on va étudier la classe du paladin. Avec Bioship Paladin. Et oui, c'est le nom de ce jeu. Alors, ça ravivera effectivement les souvenirs des possesseurs de Mega Drive, puisque la version arcade avait été ensuite adaptée en version console, tout simplement. Pourquoi ce truc est excentré d'ailleurs? Bon, je reviendrai plus tard, c'est pas grave. Est-ce qu'on fonce dans le jeu? Est-ce que je fais un fail de démarrage? Vous le saurez tout de suite après le flash météo qui annonce quelques cyclones. Aujourd'hui, ce sera sur le pont de clé. Vous regarderez sur les maps. Pas de bol pour vous. Hein. C'est force 8. Ouf. Ouais, non, sortez pas. Inutile. Unuseful, les amoches. Bioship Paladin, on arrive. Si tu veux démarrer, peut-être. Un jour. C'est magnifique. Petite démo. Alors, oui, effectivement, toutes les boîtes qui ne s'appelaient pas IRM se sont dit merde, on n'a pas fait de R-Type encore, faudrait qu'on en fasse un. C'est la première réflexion qui vient à l'esprit quand on voit ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oula. Alors, je viens de repérer comme vous que les vaisseaux bougent et des cibles bougent. Serait-ce un twin stick shooter? Dans quel cas, je risquerais d'être dans la merde puisque le pad n'est pas mappé. On va bien voir. Ou alors, c'est peut-être des trucs plus ou moins auto-guidés, va savoir. Ou alors, quand tu appuies un bouton, tu peux le déplacer avec toi et quand tu relâches, hop, il garde la position. Toutes les hypothèses sont possibles. On y va. Bon, fais-le voir. Il va en falloir beaucoup même, je pense. Alors, j'ai une jauge. Ok. Ça se prend, ça? Oui. Oh, c'est là. Alors, les jeux dont les graphismes, tu dois repérer les fonctionnalités au démarrage parce que c'est pas si évident, c'est quand même bizarre. Je prends... J'en fais quoi? En fait, ton vaisseau grossit. C'est le fameux truc de ma vache a grossi, elle rentre plus dans le pré. Alors effectivement, en titillant l'autre bouton, voilà, c'est lui qui prend le contrôle du déplacement. Ok, j'ai pigé le truc. Et en fait, les bonus, faut les claquer plusieurs fois pour avoir quelque chose qui envoie du steak. Ok. Et je peux pas les envoyer comme ça? Non. Ok. J'ai des idées moi aussi, ça arrive. Ah, il est particulier ce parce que t'arrives là-dessus, tu te demandes ce qui va se passer. Quoi. Puis t'oses pas trop bouger ta cible là à la noire. Et les bonus hors de l'écran où je vais aller me fracasser, je pense que c'est pas très terrible. Auto quoi? D'accord, j'ai un autologue qui me cancelle tous les tirs qui viennent m'agresser, de près, de loin, voire même qui envisage juste de passer trop près de moi, quoi. C'est pas magique, ça. Alors, les gars, ils y sont allés, quand même, à la créativité, hein. Rien que pour ça, le jeu, on peut pas le foutre au grenier. Il mérite, quand même, un minimum d'attention, parce qu'il fallait avoir ce genre d'idée. Ah! Ah non! Non! C'est super chaud de bouger, par contre, gardez appuyé le deuxième bouton pour bouger sa cible devant, parce que c'est le bordel, ah non. Non, 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 non. Je crois que c'est cuit, hein. Ils vont se barrer en rigolant. Oulala, 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 oulala. What? Il est vraiment bizarre ce jeu. En plus, les bonus ont tendance à se barrer quand vous vous rapprochez d'eux. ça rajoute un peu de... d'étrangeté. D'accord, j'ai encore perdu de l'énergie. Oh là là, Damnod, Damnod! Bah oui, je me suis fait défoncer. Fallait bien que ça arrive.
Ceci dit, je n'ai toujours pas réinséré le moindre crédit. Ce qui est quand même une bonne nouvelle. Et qui veut dire tout simplement que le jeu est relativement facile pour l'instant. Alors, il est maniable pour tout, sauf cette histoire de... Voilà. Là, j'appuie sur l'autre bouton pour bouger ça, je relâche. Hop, 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 hop. J'ai un tir chargé, mais il est super long, quoi. Alors, je sais pas si vous avez la musique forte, vous. Moi, ça me fait rigoler. Putain, c'est bonus qui se barre quand on s'approche, c'est un peu pénible. Je suis bien, je suis très bien. Je n'en bougerai pas, je n'irai même pas à la chasse au bonus qui veut se barrer. Oh, j'ai réduit ma taille, maintenant je suis un tout petit tout, c'est horrible. Je sens la fin se rapprocher inexorablement de moi, mon existence ne tient plus à grand chose. Je suis une particule dans l'univers, dans le cosmos et... J'ai réussi à choper un bonus, donc ça va à peu près bien là. Eh, je réduis de taille. Et voilà. Fatidiquement. Fatalement. Inexorablement. Alors là, bouge ta... Bouge ton corps. Ah, purée. Ça va pas être terrible. On va aller à la provoque. Oh purée, si je charge pas, je suis mort. De toute manière, je suis mort. Si je charge. Oui, mais si je charge pas, je suis encore plus mort. Le Z80, là, il commence à ramer. Il fait, oh putain, mais l'autre, il m'a mis combien de split à l'écran? Attends, je compte. 1, 2, 3, 4, 5. C'est au-dessus de 16. Bref. Et là, t'as le sifflet qui est ralenti. Les gars, camarades. Camarades lutins, split et autres amis pour animer les différents éléments d'un jeu. Je vous invite à la grève. Ah, oh, putain. Tu fasses comment, gars, là? Oui, non, mais... On fait pas ça, un gars qui c'est son premier stream, quoi, dessus. Bah oui, je grossis, ma vache a grossi, mais elle a rétréci aussi sec. Alors, est-ce qu'elle va l'entrer dans le pré? J'aurais dû faire jouer des Michel là-dessus. Je pense qu'ils auraient été bons. À moi. Des bonus qui fuient. Ne me faites plus jamais ça, les gars. Je suis très sensible sur les shoots horizontaux. Susceptible. Oui, c'est bon. Et je vais une Traoré. Ah, ça y est, c'est nerveux. Je crois que je vais le finir au rotofile et... Il tire même plus tellement il est dégoûté. Peut-être qu'il faut que je l'aborde et je le finisse réellement au rotofile. Prends garde à mon autobeam. Alors c'est assez rigolo cette manie de vous faire les boss qui vous suivent pendant que le tableau continue d'avancer puis invite de nouveaux petits ennemis de popcorn tant qu'à faire. Finis-le quoi, on va pas... Ça fait combien de temps que j'ai commencé ce boss, les gars? My god, j'ai cru que ça s'arrêterait jamais. Tu es toujours sélectionné, mon ami jeu. Tu as une grande puissance, une grande souplesse. Et j'ai toute confiance en toi et ton gameplay. Malgré que... Voilà. Les choses ne se simplifient pas au fil des niveaux. Oh que non. Ah oui, je l'attendais celui-là. Ah que oui. Mais dites donc les amis, c'est notre premier continu? Ou j'ai rêvé? Que dalle.
Tais-toi et meurs. Ok, je meurs. Je suis assez docile quand même. Bon, oublie ton bonus, tu l'auras jamais. Hein? On va pas se leurrer. Il y a des choses, elles sont pas faites pour être attrapées. Ça ne marchera jamais. Ah! Tire pas dans les bonus, tu les fais reculer. Viens, viens mon petit, viens. Hop! Purée. Je ne tire pas, c'est même pas la peine, regarde. Alors, 1, 2, et on y va. Là, 3, et on y va. Et 4. Véronique, Davina, tous ensemble. Alors, autant vous dire que c'est de la souffrance pour moi de jouer à ce genre de niveau. Et le laser, tranquille, qui se barre. Et là, il fait, ouais, je suis là. Tu me vois? Ouais, tu me vois bien. Super. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Ouais, bah, squish, hein. Alors, petit passage pervers quand même. Mais bon, ça va s'arranger après, bien entendu, regardez. On enchaîne. On va aller au moins jusqu'au boss. Ah non, on redémarre au début du niveau. Bon, bah, on enchaîne pas, les gars. Bah oui, non, je vais pas faire mieux, faut pas rêver. Je ne peux faire que pire maintenant. Je vais être impitoyable. Un quoi? Pitoyable. Putain de laser débile. Et ça me pète mes boucliers, le truc, sur les côtés, là. C'est assez dégueu, quand même. Alors, j'espère que vous avez le retour du pad. Ah, mais... Non, j'ai pas fait exprès, vraiment. Je suis dégoûté. Ishsoyo dégoûted. Barre-toi, barre-toi, barre-toi. Reviens, reviens, reviens. Barre-toi, barre-toi, barre-toi. Vas-y, vas-y. Mais non, pas maintenant. C'est maintenant qu'il faut y aller. Hop là. T'es gros, toi, quand même, là. Par penser au régime. Con de laser. Con de laser. Calmons-nous. Calmons-nous. Allez, mon petit loup-garou. Passe. Eh oui, on sait s'appliquer dans TBG, hein. Vous avez vu ça? L'amour du risque, la foi dans la boulette. C'est un poil traître votre truc, les gars. Surtout que je peux rien y faire là. Alors, heureusement qu'on peut shooter un peu dans les décors. Pour toi, toi. Avance, à bourrique va. Alors, je vais m'avancer ça un peu. Ah, putain de stick. Pouh. Comme il en bave, le pauvre Z80. Misère, regardez-moi ça. La machine, là, elle donne tout ce qu'elle peut. Scotty, peut avoir 10% en plus. C'est quoi ces signes avec les bras? Non? Ok. Je vais lui faire que des tirs chargés. Il a l'air très méchant. Et ça a fonctionné. Ah mais non, non, non. Il a pas fini, le gars. C'est vrai que les boss, quand même, sur ce jeu, sont particulièrement longs. C'est assez étrange. Et là, mon vaisseau devient encore plus gros. Parce que c'est mieux quand c'est gros. Et cet autolog qui me cancel les boulettes, qui va finir dans 3 secondes, va beaucoup me manquer. Non, c'est bon, il est mort. Ah, tout le monde aura reconnu du Blondie. Ah non! Non, je déconne pas. Hein. Autobim. Et là, ça va faire mal. Alors, c'est généreux cet autobim qui dure quasiment 20 secondes.
C'est une chance qu'on est heureux d'avoir dans le jeu. Après, quand on voit que ça dépasse, ça descend en dessous de 5 secondes, là on commence à faire. Tu vas me manquer, toi, tu sais. Je peux en avoir un autre. Alors, mon vaisseau avec ses. On dirait qu'il a, il a la varicelle, c'est ça. Where do I pass? D'accord. I do not agree. I do not agree. This aggression will not stand. T'as vu la vitesse de tir? Tu vas te calmer, toi. Alors, par chance, il ne sait peut-être pas tirer horizontalement. On va savoir. On va vite le savoir. Eh oui, il sait pas trop tirer horizontalement, ce crétin. Ah, putain, mais pourquoi je me mets en travers? I'm dead. I'm dead. You know I'm dead. I'm really, really dead. Eh bien non, malgré ce titre fabuleux de Blondie en bande-son, nous ne continuerons pas davantage dans les tripes de ce jeu vidéo qui est totalement validé, puisque il a ses idées, il a son propre petit style, il réinvente pas le gameplay totalement, mais du coup c'est quand même pas mal. C'est une expérience qui est agréable. Et donc je vous invite tous à essayer ben, Bioship Paladin. Si vous n'arrivez pas à trouver de borne, vous pouvez choper une version Mega Drive. Et c'est plus que recommandable quoi pour faire un petit jeu apéro et dire tiens tu souviens, tu fais marcher la myrtille, ça le fait total. Bioship Paladin, tu es validé, bienvenue. Je vous laisse avec les deux playlists habituelles et je vous dis rendez-vous à demain 19h. Pourquoi? Aucune idée. Non vraiment, n'insistez pas, je ne spoil pas de toute façon. Envoyez, j'ai des chèques. Voilà, envoyez des chèques.